Ouais. Oui, Forlet, tu peux entrer, tu le sais. Comme tous les jours, à la même heure, à 17h pétante. Ou 15. Ouais. Fais pas chier. Ça va? Bien. Passez une bonne journée. Tu travailles beaucoup, je le sais. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin. Qu'un partenaire qui veut s'intégrer. Ouais, non, un petit truc. Une petite start-up. Nvidia, ça s'appelle. Ils font des logiciels, je crois, ou... Je sais plus. Des trucs qui se mettent dans des PC, là. Des cartes graphiques, des machins là, des calculatrices. Ouais, bah écoute, on va envoyer, on va voir. Ah oui, ça serait bien, comme ça on pourrait rajouter un truc, un petit truc en plus quoi. Bon, en plus, en même temps, vu les personnes qui vont participer au Salty Duel, pour les plus forts d'entre eux, je suis pas sûr qu'ils aient besoin d'une carte graphique quoi. Ouais, bah non, franchement, tu vas la voir, ils vont la revendre sur eBay quoi. Oh si, ça se revend bien sur eBay. Ah bah si tu regardes sur eBay en ce moment, une carte graphique, ça se revend, tu peux le troquer autrement. Hein, contre deux gels hydroalcooliques de 30 ml. Oh, tu tapes une bonne 2080. Mais c'est fini le bitcoin, hein. Ah, mais tu savais pas. Ah, mais le bitcoin est terminé. Ah, mais non, mais maintenant, la nouvelle monnaie, c'est le gel hydroalcoolique. Ah, ouais. Une goutte égale 1 euro. Et encore une petite goutte, hein. Ils sont là? Ok. Ouais, je vais dire bonjour. Pousse-toi, putain. Oui, je vais dire bonjour. Et le camion, là, tu t'en débarrasses. Il se garde dans l'arrière-cour à chaque fois, là. Fais chier. Hey, comment ça va sur le campus de la Salty Academy? Est-ce que vous avez passé une bonne et une agréable journée? Aujourd'hui... Wow! Vos gueules dans la rue, là! Vous allez frayer mes dromadaires! Ou mes chameaux, je sais pas. Du coup, j'ai pas vérifié. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Les duos seront choisis par qui? Les duos sont laissés à... C'est les gens qui choisissent par duo. À la base, on voulait faire du random. Et puis, ça aurait été sexy, on est d'accord? Imagine Spoit et Mary. Alors on s'est donné cet exemple là, on s'est dit imagine Spoit et Mary qui tombent ensemble. À la fin de la journée, je pense que malheureusement, je ne peux pas me permettre cette responsabilité. Hein? Pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'à la fin de la journée, malheureusement, Spoit va tomber dans dépression. Voire même pire. Trop de trucs importants de toute façon dans le jeu, c'est pour ça qu'il est aussi complexe. Il y a trop de trucs importants. Le son, le machin, la com, le truc, le milieu, la compréhension des maps. Je pense que la poignée inclinée est devenue un must. Franchement, il y en a pas mal quand même de joueurs pro ou de ranked hero qui gardent la poignée verticale. Je pense que c'est chacun ses goûts quoi. Moi je considère que à l'heure actuelle, je pense que la poignée inclinée prend un net avantage en fait. Et ce, j'ai presque envie de dire qu'importe son style de jeu quoi. Il y aura vraiment que les supports teneurs de ligne. Allez, franchement, mais je noircis de frais. Après, ça dépend des ADS qui étaient propres déjà à l'arme de chacun des opérateurs quoi. Regarde, si tu prenais le maestro avec la coque, c'était terrible, c'était vraiment dégueulasse quoi. Si tu prends l'ADS le plus rapide du jeu, ça devait être le pistolet avec la coque là de Kaïd, le pistolet le golden gun. Ça, le quick shot, enfin c'est n'importe quoi, ça fait fiu, fiu, fiu. Le Sion, c'est mieux en night mode. Ouais, pour les raisons que j'ai donné, ouais. Te prends pas la tête, mets night mode et fais confiance. Car c'est Sick Catray qui le dit. Là, faudra faire gaffe parce que t'as double spawn kill en fait si tu te mets en bas et en haut. Et le diffuse, on s'en fout tous en fait. C'est ça l'idée quoi. On sait pas ce qui se passe là du coup. Ah, ça commence à venir les petits endroits, les petites pré-shots derrière le savoir où est-ce qu'il se passe. Oh putain, le bug de reload, leur voilà quoi. Non, pas de diffuseur, il est au spawn, tranquille, on va faire le kill. Il le sait pas qu'on a pas de diffuseur. Là c'est juste, le petit pré-shot là, c'est juste là où il y a le petit locker dans les douches. Il y a une espèce de pylône au milieu constitué de 6 ou de casier là. Et alors, souvent le mec il se met là en fait. Là ou dans les douches qui sont à droite. Mais là dans ce cas là tu peux pas l'avoir. Enfin tu peux l'avoir mais avec le mur renforcé donc t'es obligé de décaler à droite. Je vais faire exactement ce qu'on a fait sur la dernière saison. De monter en puissance. De commencer tranquille, de prendre son temps. Viewer pendant le début de la saison et puis à la fin on terminera sur le main comme d'hab avec le VIP crew je pense. L'édition 2 du VIP crew où on partira... Bah, je pense avec d'autres personnes cette fois-ci, mais avec des personnes qui masterisent un peu le jeu. Et ça, ce sera sur le main. La dernière fois, en 15 games, tout pété, c'était diamant, c'était plié.
by op 4. Zone, you will be detected by hostiles. You have entered an enemy controlled area. Leave now. You have been spotted by hostiles. Fall back. Oh là là, encore une H-Man. Ah non, une Nock, en mode infiltration totale. Je vais faire un kill. Ah, ça devrait être interdit de jouer Nock. Le gadget à l'heure actuelle de Kali est genre 10 fois plus important, 10 fois plus, honnêtement, que le gadget de glace qui est presque inutile en fait. Mais, vas-y, balance ta grenade toi. Bah ouais. Tu sais, on entend le mec clic. Vas-y, bah décale, je peux bien moi. Qu'est-ce qu'il fait lui? En tout cas encore merci Sussu Poulet. Et à plus tard, j'imagine que tu vas aller plus tard. Là où il y aura plus de... Il n'y aura plus de problème. En tout cas c'est moi qui ai la plus grosse, hein, tu le sais. Oh that game sense mec, that game sense tout de suite là. Tu partiras pas du grenier. On t'avait vu faire tapis trop tard. T'as fait le kill donc on s'est dit que t'étais de l'autre côté du grenier. Souvent quand on est de l'autre côté du grenier on bouge de l'autre côté. Mais non mec, mais non. Mais non pas avec moi. Ouais, le trou était là, regardez. Oh lui, il tire sur qui? Il tire sur un mec qui est là. Bonjour. Ouais, je crois que t'es tombé. C'est où en fait? Ah! Merde! Oh. Mais qu'est-ce qu'ils font en recrue les gens là? Ils ont pas envie de gagner. Ok. We're fucked! Regardez, regardez, comment on fait pour une interrogation? Grenade! Ah, il y était mec. Aïe! Non, pardon. Ah! Je sais qu'il était à gauche. Allez! Oh là là. 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 Le duel de titan! T'aimes bien Vibra, tu trouves qu'il est fort? Ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est un bon gars, c'est un bon gars. Enfin, vraiment, c'est un bon gars, Vibracy. Franchement, il a vraiment évolué, etc., machin truc. Le fait qu'il y a un moment, les gens lui reprochaient d'être arrogant, d'être comme ci, d'être comme ça. La vraie définition du connard qui changera jamais, c'est celui qui ne voit pas ses problèmes. Or, Vibracy était le premier à dire, ouais, mais comment je peux changer? Comment je peux faire ci? Comment je peux faire ça? Comment je peux évoluer? Et les gens qui cherchent toujours dans une logique à s'améliorer, autant dans leur jeu que dans leur personnalité, deviennent forcément des gens meilleurs. Je dis pas que j'en suis la représentation parfaite, loin de là. Mais vraiment. Et je pense que c'est un mec qui veut s'améliorer, donc ouais. En revanche, je le trollerai tout le temps. C'est normal. Small tower last. Je sais qu'il est là. Yeah, small tower. Oh, j'aurais pu droner. J'y vais comme un toutou. Rubin, friend. Okay, good. Oh non, le pré-shot! Et vous avez vu maintenant qu'avec le placement du mur, ce qu'on avait fait la dernière fois, extrêmement intéressant, écoutez. Ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, tu mets une Mira au niveau des pieds. Il faut que quelqu'un aille regarder le fait que cette Mira... Bah non, parce qu'elle sera ouverte. T'es presque obligé de renforcer, en fait, si tu veux Bandit Trick le Master. Play these little games.